Attention, c'est la dernière fois. Alors maintenant, je vais aller chercher le même col que tout à l'heure, mais je vais pas faire un col droit de gauche. Je vais faire direct 1, 2, voilà. Et tout de suite. Seulement là, je n'ai pas le temps. En combat, là, on ne va pas me laisser tenir comme ça. Il faut taper dessus. Voilà. Alors l'idée, je vais faire 1, 2, 3. Dès que je frappe le col, je passe vers le bas. Et puis d'un coup, je remonte ici, et là, ça c'est pour survoler sur une allée. Et alors, là je pratique, j'ai pris le bout de sa manche droite, et je compte tout de suite le col. Et là maintenant, première idée, je l'ai tassé. Mon poids pèse sur son bras. Lui, à tous les coups, il a une réaction dans l'eau parce qu'il veut passer les intérieurs à la sol. Il remonte toujours. S'il ne remonte pas, je vais faire ma technique quand même. Comme je n'ai pas besoin. Et c'est mieux quand il remonte. Alors là, je pousse vers le bas, et d'un coup, j'ouvre tout en passant dessous. Et je tombe deux genoux et deux dos par rapport à lui. Deux genoux comme ça. En tournant le dos, ça c'est souvent, c'est rénagé. Sinon, vous pouvez le faire de côté, un, deux, trois. Si je le fais de côté, comme ça, voilà. Ça c'est catapulte. On peut faire les deux. Vous faites comme vous voulez. J'ai un genou qui remonte plus. Mais il descend bien. Je vais vous remettre haut. 1, 2, 3. Je vais voir que ça tourne pas. Pas trop vite, ralenti. Ralenti, catapulte. Moi, je tombe mes deux genoux au sol, mais perpendiculaire à la ligne de ses pieds. Voilà. Et là, je tire là-bas. Donc, ça, c'est catapulte. Si je tourne ici, comme ça, moi, c'est sur le dos. C'est sur le dos. C'est. Tout dépend de l'angle de la chute. 1, 2, 3. Pesez. Ça va? Ça va y aller? 1, 2, 3. Pesez. J'ai fait un coup pour lâcher. Et tomber de dos. Tu veux que...